ce que les familles de détenus doivent comprendre, c'est que les revendications du personnel et celles des détenus se rejoignent. On a une situation carrément explosive à l'intérieur. On a des fois 9 détenus par cellule. 9 détenus par cellule. La principale revendication aujourd'hui, c'est le renforcement du nombre de surveillants au centre de détention. Aujourd'hui, à cause du mépris de l'autorité centrale, nous avons failli perdre 2 collègues. Et ça, je suis navré de le dire, hein, je suis dans l'émotionnel, il y en a marre. Je ne sais pas si on prend la mesure de ce qui s'est passé hier. Hier, 2 agents, 2 pères de famille, venant gagner le pain quotidien de leurs enfants, se sont fait lâchement agresser par un détenu connu pour des troubles psychiatriques. Tant que nos revendications ne seront pas reconnues, légitimées, on ne va pas reprendre le travail. L'institution sera bloquée. Vous regardez ETV.